Salut tout le monde, c'est Dark Kizae et on se retrouve pour la suite de Mega Man X. Alors c'est parti pour le stage de Boomer Cowbringer. Bon, ce stage est franchement très court et pas spécialement dur. Il y a juste une partie qui est assez dure, c'est. Bon, vous verrez un petit peu plus tard. Mais franchement, c'est pas trop dur. Alors, je sais plus si on a vu ces ennemis, mais pour les détruire, faut sauter. Enfin, faut les attaquer quand ils ont quand ils lancent leur massue. Bon, comme vous savez, je joue avec le lag, hein. Mais bon, c'est la meilleure qualité que je peux faire. Bon, alors là, un nouveau type d'ennemi aussi, l'espèce de tourelle sur les côtés. Ça, c'est chaud, on peut le dire. Là, par contre, faut faire faut faire attention à cause des lasers, parce que si vous faites pas comme moi, parce que sinon vous allez vous ramasser tous les lasers dans la gueule. En fait, on marche sur la ligne infrarouge, puis bon, bah, on se ramasse tous les lasers dans la gueule. Bon là, classique, hein, la tortue. Les tortues, on les a déjà vues il y a certains moments, donc maintenant, on les connaît bien, on sait comment les battre. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai plus fait de Mega Man, mais bon, c'est parce que je voulais préparer les vidéos test, je voulais continuer un peu Pokémon et Secret of Evermore. Je voulais faire aussi l'épisode où je montrais ma tête ou l'épisode la vidéo spéciale 50 abonnés, donc c'est un petit peu normal que j'ai pris du temps à du retard sur Megaman. Bon, alors là, faire gaffe parce que la plateforme monte assez vite et les ennemis nous poussent facilement vers les dessus. Mais bon, ça va, ils nous enlèvent pas trop de vie, mais ça faire quand même très attention parce que je crois que. Oui, parce qu'à chaque fois, avant de filmer, je fais le stage en vite fait. En off pour voir si j'y arrive. Franchement, là on est déjà à la fin du stage, on a jusqu'à monter là. Enfin, je dis juste qu'il faut monter et après c'est fini. Le stage, on arrive directement au boss, plus ou moins. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a aussi des tourelles sur les côtés. Faut faire gaffe parce que à peine elles sortent, elles tirent déjà. Donc faut faire assez attention. Il y a certains endroits, franchement, c'est pas obligé de les tuer. Comme celle-là, on aurait pu la passer, celle-là, ou celle-là même. On pourrait passer les tourelles, donc bon. On n'est pas obligé de toutes les tuer. Mais c'est clair que si vous le faites, vous êtes beaucoup moins emmerdé pour la suite, quoi. Bon, normalement, j'ai trouvé une méthode pour filmer sans devoir passer par Audacity pour la voix. Donc c'est ce que je vais essayer pour le prochain épisode. Normalement ça doit être bon. Et bon, parce que bon, là je le dis, hein, je me cache pas, je fais du off là. Là tout ce que je dis, je fais du off. Bon, alors vous allez me dire, oh, c'est nul, c'est pas très pro et tout, mais franchement bon. Alors ce Earth Tank, faut se mettre là, plus ou moins là où je suis, vers le truc gris au milieu. Et avec l'arme qu'on va récupérer dans ce stage, il faudra retourner le chercher. Je sais, c'est un peu débile, on va le chercher avec l'arme de ce stage, mais c'est la vérité. Il faudra aller le chercher avec l'arme de Boomer Cowbringer. Bon, faites attention aussi de pas mourir, parce que regardez où ça me ramène, hein, au tout début. Enfin, pas du niveau, encore heureux, mais au tout début de la tour, donc c'est quand même assez chiant. Je peux vous dire que j'en ai ragé, hein. J'ai ragé, franchement j'ai pété deux gros câbles, hein, sur cette partie là du niveau. Excusez-moi. Le niveau est pas très dur, il est pas très long ni trop dur, mais voilà, c'est juste ça qui est chiant, quoi. C'est juste des mini tourelles. C'est vraiment assez chiant, quoi. Bon, vous entendrez sûrement un petit peu mon ordi, je ne sais pas trop. Mais bon, je n'y peux rien, hein. J'ai pas le super ordi gamer. Mais bon, c'est clair que je souhaiterais vraiment avoir un nouvel ordi le plus tôt possible. Parce que franchement, quand je joue, c'est vraiment énervant d'entendre le ventilo là, comme pas possible. Franchement aussi, pour parler du boss, donc Boomer Cowbringer. Franchement, il est pas dur, hein. Si vous avez l'arme de Launch Octopus, franchement, ça passe tout seul. Ça passe tout seul, franchement.
Mais bon, comme tout buzz de Megaman, il va m'avoir une ou deux fois, je sais plus. Mais franchement, avec les missiles, ça passe tout seul. De toute façon, dans les Megaman, c'est pratiquement comme ça à chaque fois. Le tout premier buzz qu'on se fait, donc au tout début du jeu, hein, on va se le faire avec X-Buster. C'est plus chaud, mais après, dès qu'on a récupéré l'arme, enfin la fois notre première arme, bon après c'est clair, la première fois qu'on fait, on peut pas savoir. Moi là, c'est grâce aux vidéos de du mec qui m'a donné envie de faire des vidéos sur Dailymotion. Bah c'est grâce à lui que je sais pour quel boss faut les utiliser, parce que c'est clair. Si je jouerais en totale découverte, non, laissez tomber, je ne saurais jamais c'est quel boss. Contre quel boss utiliser quelle arme. Non, ça c'est impossible, je n'aurais jamais deviné contre quel boss utiliser quelle arme. Bon, là on arrive à la fin, hein. Le couloir de la mort, comme je l'appelle. Couloir de la mort, non, je veux pas y aller. Et pourtant il le faut. Voilà, donc équipez-vous des missiles de Launch Scopus. Et bon, quand même, regardez un peu les dégâts que je vais faire un boomerang. Il est pas spécialement chiant. Le seul truc chiant, c'est quand il fonce vers vous pour vous prendre et vous projeter avec ses pinces. Franchement, le fait qu'il lance son boomerang, là, c'est pas ça le plus chiant encore. C'est vraiment quand il fonce vers vous et qu'il veut vous choper, ou qu'il vous chope avec ses pinces et qu'il vous projette au plafond. Là, c'est le plus chiant du boss. Alors ça, regardez les dégâts que ça enlève. C'est dégueulasse, hein, j'aurais pu l'avoir à ce moment-là. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et franchement, ça va, hein. Question quantité, le missile, il y a largement de quoi tirer une bonne dose de missile avant que votre stock se vide. Franchement, c'est... Ah ouais, alors là, regardez, il va m'enchaîner, je crois. 2-3 fois, il va me projeter comme ça au plafond avec les pinces. C'est hallucinant, on a le temps de rien faire. Voilà, je commence à canarder. Sur le missile, mais bon, finalement, ça sert à rien. Faut pas canarder non plus, parce que ça sert strictement à rien. Ouais, là, j'avais perdu la dernière vie, donc j'ai dû faire une coupure. Et là, c'est la bonne. C'est normalement dans cette. C'est. Je crois que je perds encore une fois, je crois, et après, je sais plus. Et il est pas dur comme boss, franchement, il est pas dur. C'est juste ça. C'est juste la protection. La projection, pardon. Avec cette pince qui fait vraiment chier, mais sinon il est pas dur comme boss, il est simple. Voilà, regardez. Bon, voilà. Boomer Kuvanger battu. N'oubliez surtout pas, hein, l'extension de vie qu'on peut récupérer grâce au Boomerang Coder, ou je sais plus comment ça s'appelle l'arme. Donc, une fois Boomer Kuvanger battu, on obtient. Ah bah, le boomerang cutter, c'est bien ce que je disais, on devient un peu tout gris. Et voilà, on peut lancer des petits boomerangs. Bah franchement, ils sont super utiles, hein, pour ramasser les extensions de vie qui sont cachées. Enfin, cachées non, mais qui sont plutôt dans des endroits inaccessibles. Bon. Côté prochain stage, c'est Chameleon Sting. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et on...